Salut tout le monde, Mitra Pneuma de l'équipe de Nintendo Alert et on se retrouve pour deviner quoi, un let's play de Xenoblade Chronicles 3. Donc là je suis assez excitée, pourquoi? Parce que c'est une quête de héros, l'héritière de Vandamme. Et Vandamme, voilà, c'est un perso qui a... J'ai pas trop envie de... Je sais pas si je peux vous spoiler en fait, je pense que je vous ai déjà quand même tellement spoilé le 2. Mais voilà, c'était un perso ultra attachant du 2. Qui m'a fait verser ma petite larme. Donc voilà, d'avoir la quête de Vandamme, j'en suis très 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 excitée. En plus, Monica, qui est donc la fille de Vandamme, on sait pas si c'est Vandamme du 2, si c'est un truc avec l'espace-temps, si... on sait pas trop, c'est un héritier de Vandamme, parce qu'il me semblait en fait que son nez était plus gros que celui de Vandamme du 2. Bref, on sait pas trop. On sait que voilà, c'est la famille de Vandamme, mais voilà, on sait pas trop quoi exactement. Et Monica, donc je sais pas moi, la descendance de Vandamme, et son caractère me plaît beaucoup, elle a du caractère, donc je suis vraiment très 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 excitée de commencer cette quête et de l'avoir dans mon équipe. Je trouve ça un peu dommage qu'elle soit pas jouable, mais bon, voilà. Et là on est au chapitre 5, on commence vraiment à avoir une histoire qui me plaît. J'étais très mitigée jusqu'à présent quant au scénario, que je trouvais un peu plat parfois, mais là ça commence à se décanter à mon sens. Donc let's go. Donc vous voyez la quête, donc parler aux personnes indiquées, Monica. Alors est-ce qu'on peut pas se TP quelque part? On peut se TP un peu partout. Voilà, ça c'est des quêtes FedEx. Voilà, ça porte rien de... particulier. Alors l'orientation et moi, ça fait deux. Ah, ils ont eu le culot d'appeler un personnage boomer. En plus, il me semble pas être très jeune. Pourquoi il faut lui reparler à Boomer? Ah, il faut le suivre. Some relationships changed. Non, il va falloir le suivre. Bon. Ça va me permettre de faire ce que j'adore, raconter ma vie. Donc j'ai lu dans les commentaires, parce que je vous lis, hein, donc je lis les commentaires que vous pouvez laisser. Alors donc, il y en avait qui disaient que, voilà, que Vandamme, l'espace-temps, que ça pouvait pas être Vandamme, ça, ben, je l'ai dit dans différents let's play. Après, il y en avait d'autres sur quoi? Sur le fait que j'étais critique, oui, clairement. Parce que ben, si vous voulez voir en fait un des let's play où on vous dit, où on fait oh c'est génial, oh c'est génial, oh c'est magnifique, oh tout est bien, tout est, oh j'adore, ben, faut aller voir des let's play qui sont sponsorisés par Nintendo. Moi je dis ce que je ressens et comme je vous le dis tout le temps, mon avis n'engage que moi. J'ai pas du tout envie de surjouer, de vous faire croire que tout me plaît. Quand ça me plaît, je vous le dis. Quand ça me plaît pas, je vous le dis aussi. Donc voilà, il y avait quoi encore comme autre remarque? Il me semble qu'il y en avait, une autre. Un autre commentaire. Il y en avait un autre, je sais que auquel je voulais répondre. Et là, je ne l'ai pas en tête. En même temps, le temps que Boomer avance... Ah, oui! Pour la traduction de Brasier. Alors, moi aussi, je l'ai dit plusieurs fois que c'était peut-être une censure. Par contre, je suis pas d'accord avec le fait qu'on devrait dire merci parce qu'ils ont fait une traduction FR. C'est la moindre des choses. Le jeu, il est pas moins cher pour nous qu'il ne l'est pour les anglophones. Donc, non, je vais pas... là-dessus, non. Je vais pas remercier qu'ils aient fait une traduction FR. Je ne vais pas remercier qu'il n'ait pas fait de doublage FR. Le jeu n'est pas donné.
Donc là-dessus, je suis pas d'accord. Et pour brasier, vu qu'en anglais ils laissent des bitches, je vois pas trop pourquoi en français ils nous ont pas mis cette traduction. Je pense, en plus, on a vérifié, c'est un PEGI 12. Donc ils peuvent dire des gros mots, hein. Les ados de 12 ans en disent pas mal, y a pas de souci. Donc le brasier de moucheux, de morveux toutes les 30 secondes, non, moi, pour moi, c'est pas quelque chose de justifié ni d'acceptable. Voilà. Bah, n'hésitez pas à me donner vos, à commenter, hein, je vous répondrai toujours avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il a, Boomer? Oui, je pense qu'alors, pour le coup, Boomer, c'était vrai, c'est un petit espèce de petit clin d'œil. Par contre, là, ouais, pour le coup, là, dans ce chapitre, je sais pas, j'espère que ça va continuer, mais on est un petit peu plus dans l'émotion, comme ça pouvait l'être dans le 1 et surtout dans le 2, où il y avait des scènes assez tristes, joyeuses. J'espère que ça va continuer comme ça. Je répète, je trouve ça super dommage qu'on puisse pas jouer les héros. J'adorerais pouvoir jouer les héros qui, bah, ça donnerait un affect particulier en fait. Là, comme ils sont dans l'équipe, mais comme on les joue pas, bah, on va pas s'attacher quoi. C'est bien dommage. On s'attache aux héros là en faisant ces quêtes-là, mais elles sont, voilà, c'est des quêtes qui se font rapidement et après on oublie qu'ils sont dans l'équipe. Ah, revla boomer. Mais qu'est-ce que... Je me suis trompée encore ou quoi? Maintenant, il faut grimper. We just hang about. Ah, Monica. Évidemment, je vais pas parler au bon. Ok. Monica, can we talk? What's up? Sounds ominous. We were hoping we could ask you about someone. Ah oui, on veut tout savoir. On veut tous en savoir plus. Everyone speaks so highly of him, but we still don't know a whole lot about him. I think we owe him that much. All right. Where do you want to start? You were brought up by him, right? So, we thought you'd probably understand him better than anyone else. I wish that were the case. The Guernica Van Dam that I knew was a man that I always looked up to. He was always busy keeping the city together or fighting out on the front line. Always distant. After I chose a military life, he didn't even talk to me like a parent anymore. You mean...
You weren't on very good terms. I got to know the man, I think. But I just thought that we'd have... Huh. Hey, boss. You're making the kids feel guilty. I don't blame you guys for any of this. Dad, Guernica, died in the line of duty. He died fighting for what he believed in, and he saw it through. For what he believed in? Well, about that, there still might be a bit of unfinished. He sure was adamant about getting stuff home to people. Yeah. Sorry, what do you mean exactly? Personal effects from the deceased. Things that family and friends can... We don't leave any other mark behind that. If there are people waiting for you, then you just want to leave. I was in the rear guard. I know just how dangerous that battlefield. Maybe it's better not to dwell on that. But there are personal items that have been left, huh? Maybe you'd let us do. It must be really painful for the people who never got the chance. Yeah, right. Je sais pas si ils l'ont dit que ça m'a échappé, mais j'ai du mal à situer l'âge des personnages. Quel âge peuvent avoir? There's something we can do about it. I want to try to help. 17 ans peut-être. I appreciate the sentiment, guys. But why go to? Well, we'll get some closure from doing this too. We were losing friends every day. And before we became Ouroboros, some of us used to be off-sea. Guernica went to all that trouble for others, and when it happened, he was thinking of everyone waiting for him in the city. So I'd like to help his voice find its way. Much appreciated. Speaking per... Travis, could you pull up the tactical register? Roger that. Give me a moment. There's the data. We've got a list of deceased soldiers and the likely location. Could you check out the waypoints around Alfeto Valley? That's some impressive precision. Kind of you to notice. See, that's the thing about us lost numbers. We just don't know when to quit. Okay, guys. It's up to you now. When you're done, could you meet me at the Remembrance Stones? Got it. Je me demande avec qui elle va aller pour son don de classe. Some relationships changed. What do I do again? Peut-être regarder, voilà. J'allais regarder sur la carte où on TP. Je suis pressée de savoir qui sont les deux reines. Vu qu'ils ont... Enfin, Melia a quand même été citée. Après, je crois plus trop aux coïncidences dans ce jeu. Il me tarde de savoir tout ça. C'est pas pour autant que je vais rush le jeu, hein. We've been spotted. Pourquoi se battre contre un quand on peut en avoir deux?
là, enfin, voyant un niveau pas mal. J'ai vu des uniques et certains endroits. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo pour aller farmer les niveaux du dessus, mais là c'est absolument pas nécessaire. J'ai pas non plus envie de survoler l'histoire principale en étant déjà je pense que niveau 62, alors que voilà, j'ai pas farmé outre mesure, enfin je me suis arrêtée au bout d'un moment, hein, je faisais juste la quête. Enfin, j'ai un bon niveau quoi, donc l'objectif c'est pas d'être level 99 au chapitre 5. Même si j'adore aller aller taper des uniques. If only you didn't charge off on your own. Is this like a rare thing? I this woman's business. Time to win on the big one! Oh, that's good! Je pense quand même que les Ouroboros, il y a quand même quelque chose à voir avec les lames du 2, forcément. Hein. Parce que bon, on a vu le titan du Raya mort, hein, donc il y a forcément quelque chose avec. Y a un rapport avec les lames. Et moi, Mio, pour moi, ça reste un corps cristal, hein, ce qu'elle a. Hein. On verra bien. Donc c'est là où moi ça me laisse assez perplexe, parce que les amis de Guernica c'était Zuo et Yu. Donc on peut me dire ce qu'on veut, que il se passe tant, ce que je dis moi aussi, mais quelle coïncidence que ce soit les mêmes noms, mais que même ses amis aient les mêmes noms que dans le 2. C'est quand même un peu beaucoup. Donc je conçois et je l'ai dit moi-même, il doit y avoir quelque chose avec l'espace-temps. J'arrive pas, je peux pas là à l'instant T vous dire exactement. J'ai pas moi-même pas d'idée précise de ce que ça pourrait être. Mais oui, que même ses acolytes aient le même prénom que dans le 2, c'est quand même assez fou. Ça peut pas être une coïncidence. Il doit y avoir un lien ou un clin d'œil. Alors, si c'est un clin d'œil, je serais déçu parce que je le trouverais un petit peu gros, hein. We've brought their belongings. Thanks. Means that can you lay them out here? Là, c'est leur mémorial. Now you mention it, didn't Monica put an... Yeah. What does it mean exactly? Placing people's belongings here? How can I explain it? You guys have off-seeing, right? I guess this is... Off-seeing for city folk. You got... Boss, we were... You, Zuo, voilà quoi. Hein. Zuo. Heiwa,
You always kept such good care of this. I just wish that we could... But you're home now. C'est bien de voir des humains, comment dire, avec des réactions humaines. Parce que pour le moment, je l'ai trouvé assez limité au niveau interaction humaine, sentiments et tout ça. Bon, ils avaient été formatés, hein, les pauvres, suite à un entraînement militaire à chaque fois qu'ils s'étaient réveillés. Mais ça manquait de ça, donc ça fait du bien d'être dans cette cité. Voilà, là, la flûte, elle prend son sens avec des gens qui réagissent, qui ont des émotions. Là, on ressent de l'émotion. These people, they weren't just sacrifices. They've entrusted us all with the future. As the founders did. Looking back is not an option. Voilà, moi j'ai bien aimé. Enfin, on a un peu de sentiment humain. So that was an off-seeing. The sound of that music. I don't think anyone here will forget this day. Donc, eux n'avaient jamais assisté en fait à un rituel de passage. Never got to win their battles. But maybe... Yeah. Fun. Speaking of, you ought to get some... You said it, boss. Wait, just how busy we talk? From now on, I'll be traveling with Noah's crew. Huh? But then who's gonna voilà, handle things in the city? You'll be here, won't you, Travis? Like father... Dad spent his life on the front line, and I want to care. I understood that when I heard the Offseer's play. It has to be me. I have to care. I'll fight for you now. Thank you. I hope we'll get to know each other outside of battle, too. There's so much I'd like to ask you about yourself. No worries. A word of warning, guys. The boss's stories are long. If you've got time to rip on the boss, I might just assign it. Oh. Well, at least I won't have to worry about the city while just holler if you need me. We'll take you up on that. Quel dommage qu'on puisse pas la jouer. Vous imaginez ce jeu sur une console next-gen? Pas de chargement, de beau graphisme. Ah voilà, don de classe. Uni encore. Oh,
Je l'aurais pas imaginé du tout avec Annie. Alors, classe de Monica, classe avant-garde égarée, rôle protectrice, protège ses alliés par des arts avec champ d'effet, spécialiste des contre-attaques. Elle peut infliger des dégâts en parant. Bon ben, ils l'ont encore mis avec Annie, qui de base Annie est une soigneuse. Peut-être qu'à la fin, tous les héros seront jouables par tous. Hein. J'espère. Nothing's getting past me. Hold on a minute. We got new folks on the map. Je pense qu'on va progresser un peu dans la quête principale. Parce que, pourquoi? Parce que, comme vous l'avez vu, déjà niveau 60, si on fait des quêtes, on va encore monter en niveau. Et surtout, j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Alors, comme toujours, hein, et je m'en fous de ce que vous pouvez dire, je trouve que cette idée d'aller prêter attention, donc de ne pas nous donner les quêtes, il faut aller écouter, ensuite en discuter à un point de repos, ça rajoute des heures de jeu et ça n'apporte absolument rien. Ils ont simplifié pas mal de choses, ça on peut pas le retirer, mais ils ont rajouté ça qui n'était vraiment pas nécessaire. Pareil, cette cité, c'est bien parce que les colonies, je trouvais ça tellement, ça tout se ressemblait. C'est bien d'arriver dans une ville un peu. I dare say being in one of those six houses sets one apart from most of the city residents too. D'ouvrir la carte lorsque vous êtes sur un point, l'ouvrir au maximum. Après, il y a des endroits où c'est pas possible. Hier, j'ai passé une bonne partie de la journée à aller ouvrir les maps, à trouver les grottes secrètes, si ça. Une soir, lorsque j'ai fait mon let's play, j'étais vraiment en mode je piquais du nez. Ce que je disais, ça fait un... Alors, vite fait, hein. Pensez à Tantal. Alors, vite fait, hein. Je sais pas si on saura exactement où on se trouve. On l'a su pour Uraya, mais c'est vraiment le seul où ils ont... D'ailleurs, j'ai absolument pas reconnu Uraya, hein.
Ah, un unique. This is something decent, right? What you got for me? Can't leave him running about all over the shop. Alors, Faltar la fine lame. Ah, ça, souvent avec les oiseaux, ils se barrent. T'es là à leur courir après, à essayer de les appeler, mais ils font leur tour. Et tu dois attendre leur bon vouloir. Au final, il se refout toujours à sa place initiale. Hein. Is that... Voilà, il revient toujours à son point de départ. Voilà, c'est vraiment bien qu'ils aient fait des uniques un point de TP. Parce que voilà, j'ai souvent galéré sur les uniques à les retrouver, par exemple pour le sociogramme de Zenobia. Son sociogramme, c'est full unique quoi. Il fallait faire tous les uniques. Quand tu les avais déjà fait, va te souvenir de tête où se trouvait tel unique. Donc là, c'est bien qu'ils aient fait des points de TP. Ah, du coup, ma compo, elle est pas ouf. Trois tanks. Enfin, j'ai trois tanks, deux attaquants. Si tous mes soigneurs sont morts, c'est dead. Hein. Bon. On va laisser Mio aller soigner. Allez Mio, va soigner. Ça aussi, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos. Bon là, pas spécialement, mais quand vous savez que vous allez rencontrer un boss, pensez à bien au préalable équilibrer vos classes. Si vous êtes, je sais pas moi, 5 soigneurs, non, ça va pas le faire. Hein. Pour le combat, vous pensez à bien rééquilibrer vos classes. C'est important. Parce qu'en fait, au final, les classes de départ, ça quasiment pas joué. Hein. Vu qu'ils changent de classe les uns les autres. Puis avec tous les héros. J'ai aussi lu pas mal. Quelques personnes qui disaient... Ah, il est plus sombre que Xenoblade Chronicles 2. Alors, si par plus sombre vous parlez des graphismes, oui, c'est moins coloré, mais après l'histoire, moi je la trouve pas plus. Oula, quelle connerie! Ça c'est sombre, ça c'est très dark, ça c'est vraiment. C'est une erreur de débutant. C'est une erreur de débutant qu'on va récupérer. On va se rattraper. Enfin bref, je disais donc non, je trouve pas l'histoire plus sombre. Si on joue au 2, si on fait vraiment le 2, enfin, correctement, il n'y a pas de façon correcte de le faire, mais si on suit bien le scénario, qu'on fait toutes les quêtes de l'âme, qu'on fait toutes les quêtes importantes, le 2 est ultra, ultra sérieux, il est pas... Il y a beaucoup d'humour, du second degré, mais... Il est dark quand même, Rex, on parle d'un orphelin, voilà, on parle de mort, il est loin d'être léger hein, le 2. Hein. Ceux qui disent ça, franchement, pour moi, vous l'avez survolé hein, le 2. Donc pour moi, le 3 n'est pas plus sombre que le 2, il est différent. Il est totalement différent. Mmh.
Voilà, c'est sûr que là, par exemple, on n'aura pas un gros plan sur les fesses de Pyrrha en train de monter l'échelle. C'est sûr. Mais moi, les waifus, ça m'a jamais dérangé. Hein. Voilà, voilà. Comme vous avez pu le voir, attention aux oiseaux. Ils ont le chic, même s'ils sont pas à un niveau de ouf. Tiens, je viens de voir de l'éther, là. Oh, mais je suis à 99, donc je vais laisser tomber. Les oiseaux ont le chic pour vous balancer. Vous mettre des coups, vous faire reculer. Allez, on va garder ça en mémoire. Pourtant, il était... On était... C'était bien, il était presque... On avait l'enchaînement et l'enchaînement qui venait de se déclencher. Il perd rien pour attendre celui-là. Il est beau en plus. Hein. On croirait presque un Pokémon. Je vous laisse deviner lequel. Celui que je préfère, moi, de Boros. Vous avez remarqué que d'un boss à l'autre, pour un niveau équivalent, ben l'un pourra être beaucoup plus difficile à battre que l'autre. Hein. Ben, certains qui te mettent des handicaps, qui sont plus résistants. Ça permettra de voir quel est le talent de Monica. Alors, réactive un personnage additionnel et accorde 25% de chance d'en réactiver un. C'est pas mal ça. Quand on fail sur... Quand on fail. Tout simplement. Moi, pour les enchaînements, mon préféré, ça reste quand même Izzard. Hein, qui, moi, je le trouve assez fou pour les enchaînements, hein, quand même. Hein. Pour le moment. Oula, pas mal. Ça c'est vraiment bien. Elle me plaît de plus en plus, Monica.
J'ai hésité, hein. Je me suis dit, peut-être en mettre un peu moins puissant. Nul n'est parfait, même pas moi. Ah, c'est l'avantage des soigneurs. Il s'est capé à 99, donc ça te permet de placer pour faire 350. L'idéal serait de faire un 200 pour faire un exceptionnel. Non ? La Monica là qui a 92. Ça va le faire. Aïe aïe. J'ai eu pire, hein. Enfin 1%. Bon. Bon bah là elle est à 113. Hein. Full burst. Ceux qui ont joué aux deux comprendront. Bel enchaînement. Pour ça, j'aime bien les uniques. Ça permet de faire des enchaînements. Okay, buddy. Surprise me. Réserve de matéria. Ah, de matéria. De matériel. À un moment, je me suis dit que Sephiroth allait sortir. Ou Aerys peut-être. Parce qu'on est gentil, on va l'aider. Ah, on a une bande de Falcon énervée. Attention, hein.
clairement, les Ouroboros nous font penser à certaines lames. Il y a obligatoirement quelque chose. Obligatoirement. Puis cette façon qu'ils ont de s'interlier, moi je dis fusionner, ça, c'est totalement le principe du pilote et de sa lame. Qu'est-ce que c'est, une évolution? Quand même 99 des cylindres, donc oula, cylindre d'éther du bateau, cylindre d'éther du bateau, cylindre d'éther du bateau. Qu'est-ce que c'était? Donc voilà, là on a fait la quête de héros, donc on a Monica qui est dans notre équipe, donc on va faire un break et puis on se retrouve très bientôt pour continuer la quête principale. Bye bye les amis.